Dans cette vidéo, nous allons faire une piste électronique en utilisant rien d'autre que notre contenu Splice, en synchronisant Splice avec notre navigateur dans le Force. Pour ce faire, passez au menu, passez aux préférences, et la première chose que nous devons faire est de nous assurer que nous sommes bien connectés à notre Wi-Fi. Il suffit donc de l'allumer, je suis déjà connecté. Maintenant, nous appuyons sur Splice et nous sommes déjà connectés à notre compte. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de consulter le tutoriel d'intégration de Splice qui vous guide sur cette procédure. Ce que je vais faire maintenant, c'est appuyer sur « Check for update ». Et maintenant, ceci va voir quel nouveau son j'ai ajouté à mon compte Splice. Donc j'en ai 59. Et il va maintenant apporter ces sons directement dans le Force via Wi-Fi. Maintenant que nous avons synchronisé nos échantillons de Splice directement dans le Force, passons à notre navigateur et accédons à ces sons. Appuyez sur Load, appuyez sur Splice, et maintenant, je peux chercher par pack. J'ai déjà créé un projet à partir de nos échantillons de Splice que nous synchroniserons avec le Force, et que je vais vous jouer maintenant, puis je vous expliquerai comment cela a été assemblé. Le chemin que j'ai emprunté pour faire cette piste est très direct. Tout a commencé avec un échantillon vocal que j'ai trouvé dans mon compte Splice et que j'ai importé et j'ai commencé à construire autour de ça. Alors, allons chercher cet échantillon maintenant. Ça vient d'un pack appelé Femme Fatale. Dans celui-ci, je suis allé dans Vocal Hooks. C'est l'échantillon qui est utilisé. C'était une belle ligne d'accroche pour un morceau house. Une fois que j'ai eu ça, j'avais besoin de trouver une sorte de pad mélodique qui fonctionnerait avec le chant. J'ai de nouveau fait des recherches dans ma bibliothèque, puis j'ai téléchargé un pack appelé Enormous House. À l'intérieur, il y a un tas de kits de construction, et au numéro 6, il y avait des mélodies de pad impressionnantes. C'était une sensation instantanée. J'ai chargé ça sur un clip. Puis j'ai ajouté quelques boucles de percussion. J'avais donc besoin, avec ces éléments, d'utiliser la ligne vocale. Mais nous devions ensuite la désaccorder, la déformer, puis la découper en certaines sections. J'ai donc déformé le tempo original, qui était à 100, maintenant time-stretché jusqu'à notre tempo, pour ensuite le faire passer en demi-ton. Maintenant, j'ai le résultat que je voulais. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer la position de départ de la boucle vocale. Donc, je l'ai découpé en 4 sections. J'ai déplacé le point de départ, puis, sur la toute dernière section de la boucle, j'ai voulu la désaccorder par demi-ton, pour lui donner une sorte de vibration plus vocale, très populaire dans notre musique. Et encore une fois, parce que tout est time-stretché, c'était facile à faire. Ajouter quelques effets internes,
et c'est la voix baissée de 6 demi-tons. Ensemble, nous sommes arrivés jusqu'ici. Aussi, beaucoup de boucles percutantes que j'ai ajoutées provenaient de certains packs de Defected sur Splice. Allons dans notre navigateur et je vais vous montrer ceci. Allez au pack, ensuite Frankie Rizzardo et les gars de Copyright. Il y a de superbes boucles efficaces ici, des mélodies, des batteries et tout. J'ai chargé ça sur des clips. Maintenant, nous avons nos éléments percutants pour la base. Rajoutons tout le reste. Maintenant que toutes ces parties fonctionnent, la section suivante à créer était la structure principale de la batterie. J'ai donc utilisé pour cela une piste drum MIDI, donc nous sommes sur la piste 3, le mode note, où je peux accéder à tous mes pads de batterie. Et c'est ici que j'ai enregistré tous les éléments et les samples de voix. Ce qu'il y a de bien avec la grille 8-8, c'est que je peux avoir 64 sons assignés à la batterie instantanément. Pour faire une rythmique, c'est simple. Je vais simplement maintenir ma touche de piste enfoncée, sélectionner « Drum », cela fait apparaître une piste drum MIDI, passer en mode note, et je vais toucher un emplacement vide. Aller dans mon navigateur Splice, et accéder maintenant au dossier qui était utilisé. Donc, le pack que j'utilisais était « Enormous House ». Encore une fois, il y a un tas de trucs génial en one shot ici. Je vais utiliser quelques samples. Et je vais mettre quelques snaps, des charlets, utiliser la voix. Ceci vous donne une vue d'ensemble de base, et avec quelle rapidité vous pouvez créer un drum kit. Revenons donc à celui que j'ai utilisé sur le projet. Sur la 3, voici à nouveau tous mes sons de Splice. Maintenant, pour le son de basse, j'ai un one shot ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un key group pour assigner ma basse. Maintenez une piste vide, appuyez sur key group. Et ce que je vais faire, c'est assigner cet échantillon à un key group, et cela va me permettre de l'utiliser sur toutes les touches. Quand je passe en mode note, je peux maintenant me baser sur la tonalité du morceau pour jouer ma ligne de basse. Voilà alors le son. Et maintenant, nous pouvons utiliser quelques-unes des fonctions cool du mode note, comme la tonalité du morceau ou la note de référence avec laquelle nous voulons commencer. Maintenant que c'est fait, écoutons notre ligne de basse sur notre piste. Si vous appuyez sur Clip, vous pouvez aller directement dans le piano roll et voir toutes les notes. Maintenant que la basse est terminée, nous devons ajouter la batterie à l'aide de notre séquenceur pas à pas. Nous venons de créer un clip et nous rentrerons dans la séquence dès que j'aurai tout démarré. Nous pourrons alors enregistrer la batterie une fois le clip déclenché. Appuyez ensuite sur le séquenceur pas à pas et vous verrez la timeline se déplacer. Commencez par une grosse caisse. Si vous maintenez la touche Select enfoncée, vous ne l'entendez pas. Sélectionnez la vélocité la plus haute, maintenez la touche Step enfoncée et vous pouvez ensuite passer aux sections 3 et 4 de la séquence. Maintenez Step encore une fois et retournez aux sections 1 et 2. C'est vraiment un processus amusant quand vous construisez une piste. Ajoutons quelques charlets supplémentaires. Posons la voix.
Maintenant que nous avons tout fait, la dernière partie du travail consistait à mettre en place les contrôleurs dans le mode NOB pour que nous ayons certains contrôles en accès direct sur le projet. Maintenant, c'est simple. Je vais dans la console de mixage, je vais dans Insert, et j'ai ajouté sur le master le Kill EQs et le filtre pour les assigner à mes potentiomètres 1 à 8. Passé en mode NOBS, j'ai mis en place un Kill EQ aigu, médium et grave, qui sont sur 6, 7 et 8, puis sur 3 et 4. J'ai ajouté de la reverb et du delay pour le chant, et sur 1 et 2, j'ai un filtre passe-bas, fréquence et résonance. Alors jouons le projet en entier.